Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de 18 boosters Lego minifigures de la toute nouvelle série qui vient de sortir et il s'agit d'une série qui a été faite avec Disney et ça c'est juste trop cool. Donc du coup il y a 18 nouvelles figurines disponibles dans ces boosters à collectionner et c'est Disney quoi, c'est genre un truc que j'adore, vous le savez, j'adore Pokémon mais derrière j'adore énormément Disney, je collectionne d'ailleurs des Disney Tum Tum, c'est des petites peluches trop cute de tous les personnages de Disney. Et là, nous avons une série de Lego minifigures avec 18 nouveaux personnages de Disney. Donc c'est juste trop bien, je suis trop contente. Du coup, pour l'occasion, on s'ouvre 18 boosters pour essayer d'avoir les 18, même si ça va être un peu compliqué d'avoir les 18 différents. Du coup, eh bien, on va pas tarder, on va commencer tout de suite. Donc j'ai le petit carton que vous avez sûrement vu sur la miniature. Et franchement, je suis tellement happy, mais quand j'ai vu qu'il y avait cette série, j'étais tellement contente. Du coup, c'est parti, on commence tout de suite. Donc, je sors le petit personnage et je crois que c'est un personnage des Indestructibles. Et je crois d'ailleurs que c'est le méchant monsieur des Indestructibles. Attendez. Non, rien à voir. Rien à voir, il s'agit de Aladdin, je crois. Je crois que c'est Aladdin. Attendez, oui, c'est ça. C'est Aladdin. En fait, c'est parce que j'avais vu le rouge du petit flyer. Et du coup, il s'agit de Aladdin. Et j'adore Aladdin. Je suis totalement fan. Alors, je sais pas pourquoi il y a un bout de booster qui est apparu. Très bien. Je suis totalement fan. Aladdin, c'était mon Disney préféré quand j'étais petite. Pour ceux qui connaissent un petit peu, voilà, qui avaient regardé. Je crois que je l'avais dit dans un tag une fois, quelque chose comme ça. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ce dessin animé. J'aime surtout Jasmine, en fait. Hein, c'est surtout Jasmine que j'adorais. Hop! Donc le petit Aladdin avec ses cheveux, sa petite lampe et son socle, très sympa. Magnifique, donc ça c'est vraiment une belle collection. Je suis très heureuse de collectionner ça, c'est vraiment sublime. La petite lampe et on va être bon pour le petit Aladdin. Super, et bah écoutez, moi je suis totalement fan. Voilà, très jolie première petite figurine de ces Lego minifigures Disney. Alors on va regarder un petit peu, si vous le voulez bien, la collection. Je pense que ça peut vous intéresser. Donc du coup, voici les 18 figurines disponibles. Donc je vous l'ai dit pas, hein, on regardera ça au fur et à mesure qu'on les aura. Et puis bah, c'est pas mal ce petit flyer parce que du coup ça sert à cocher au fur et à mesure ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. Et je trouve ça plutôt cool. Donc voilà, là on a eu le petit Aladdin qui est où? Je ne le vois pas. Ah, il est là. C'est le 4. Ok. Allez, c'est reparti pour un nouveau booster. Espérons avoir de la chance, un maximum de différents. Ah, super. Là, cette fois-ci, c'est le méchant des Indestructibles. En fait, j'avais vu à l'avance. Voilà. Hop, très sympa. Donc, on va tout de suite le monter. Voilà, je les monte avec vous. Hein. Je trouve ça sympa de les monter avec vous. J'aime beaucoup monter quand il y a des petites capes comme ça. Je trouve ça vachement sympa à faire. Hop. Donc, le corps au niveau de la cape, je crois que ça se met comme ceci. Je ne sais pas s'il y a un sens. Ça se met comme ceci. Hop. L'autre côté, on met l'autre petit rond de la cape. C'est pas non plus forcément ultra évident. Et là, on met la tête du méchant. Comme ceci, très bien. Vous voyez, la cape maintenant tient. Je trouve ça très sympa, c'est assez ingénieux. Hop. Par contre, tout vole, hein. Tout saute, tout vole partout. La tête, ah, sympa. C'est vraiment réussi, super. Ensuite, ça, c'est un petit... Ah oui, ça, c'est son... En plus, on l'a vu il n'y a pas longtemps, il est passé à la télé, les Indestructibles. D'ailleurs, il y a le 2 qui doit sortir, genre en 2019. Hop, voilà, donc son petit manuel, très sympa, et son petit socle, eh bien écoutez, pour le moment, je suis très contente, donc je me rappelle plus de comment il s'appelle, je sais quand il est petit, il s'appelle Indestructiboy, et ensuite je me rappelle plus son nom quand il devient grand, c'est nul, de toute façon il est nul, je l'aime pas, c'est un méchant, voilà. Allez, c'est reparti, j'espère que ça vous fait plaisir, d'ailleurs ça fait deux vidéos surprises que je fais presque d'affilée avec Minecraft, donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Alors j'espère que je vais réussir aussi à ouvrir ça, parce que j'ai oublié mes ciseaux, c'est pas grave. On va le laisser pour après, on va en ouvrir un autre pour le moment. Hop, ouais, j'arrive à les ouvrir comme ça. Ah, super, Ariel! Ah, génial, Ariel, moi j'adore Ariel. Très bien, on ne l'avait pas encore une fois. Hop, donc les différents... Ah, il y a pas mal de petits objets. Hop, d'ailleurs c'est très drôle parce que j'ai trouvé ces petits boosters à la grande récré.
Et donc à la base, je suis allée à Lego Store pour les trouver et je ne les ai pas trouvés à Lego Store. Ils en avaient plus du tout. Ils avaient jeté les boîtes. Enfin bref, ils n'avaient plus rien. Et du coup, j'ai trouvé à la grande récré, mais totalement par hasard, je cherchais des boosters de Tsum Tsum. Et je suis tombée sur ces boosters. Enfin, c'est David qui m'a dit « Ah, regarde, ils y sont !» et tout. J'étais trop déçue parce que je ne les avais pas trouvés. Et là, David, il me montre. Et en plus, il y avait d'autres gens qui étaient là avec leurs boosters en train de choisir. Donc c'était trop, trop, trop cool. Hop ! Voici la petite Ariel, très jolie. Alors, comment on met son petit coquillage? J'ai pas regardé, on va regarder le petit flyer. Ah, ok, ok, ok. Donc, c'est en fait pliable comme ceci. Et on met le petit diamant juste là. Ok, super sympa. Regardez, hop, voilà, on le met comme ça. Et puis, c'est comme ça. Voilà, très sympa, très, très sympa. Donc, la petite Ariel qu'on met juste là. Très bien. Et voilà, et son petit objet. Eh ben écoutez, très joli encore une fois. Hein. Très 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 joli pour le moment. On en a trois différents. It's perfect. On continue comme ça, s'il vous plaît. Ça serait trop cool. Ah, il y a le petit logo des Indestructibles. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. En tout cas, je pense que tous les fans de Disney sont vraiment super super contents d'avoir ces petits boosters. Vais-je y arriver? Ouais, c'est bon, ok. Ah, encore un nouveau, je crois qu'il s'agit de... Ah, c'est Daisy, super. Pour une fois, parce que les autres Lego, minifigures, parfois il y avait des personnages que je connaissais pas, parce que justement, moi j'ai souvent été baignée dans le monde de Disney, plus que dans les autres, plus que dans les autres mondes, les autres cultures, etc. Donc du coup, ça c'est vraiment quelque chose que je connais ultra bien. Et enfin, je ne dirai pas de conneries, je l'espère, dans une vidéo surprise, parce que vous le savez, hein, je dis souvent des conneries, mais c'est pas grave. C'est pas grave, vous m'aimez bien comme ça, je le sais. Donc voilà pour Daisy avec son petit, comment dire, on dira rien. Bon, on va pas dire deux mots en particulier. Hop, très sympa. Je trouve qu'ils sont faciles à monter, cette fois-ci. Hop, là on met le petit nœud, et voilà pour Daisy, super, super mignonne. Ah là là, elle est trop trop belle, franchement ces figurines sont magnifiques, je suis totalement fan, je suis trop contente. J'avais trop hâte de les ouvrir avec vous, vraiment. Et donc c'est vraiment super cool. Ensuite, ah super, l'alien de Toy Story. Alors celui-là, David, il m'a dit qu'il voulait absolument qu'on l'ait, c'était juste obligatoire. Franchement, cette série-là, je crois que c'est ma série préférée de Lego pour le moment. Elle est géniale, je l'adore. Hop. En plus, les personnages sont pas très compliqués à monter. C'est comme la série Simpson, on l'avait adorée avec David, elle a complété. Je sais pas si on avait tout eu au final dans cette série. Je sais pas comment... Ah merde, j'ai mis à l'envers son corps, vous allez me crier dessus. Hop. Voilà. Voilà, c'est mieux comme ça. Et la petite tête de l'alien. Ah, je sais pas comment on la met parce que c'est bizarre ici. Je sais pas, il doit y avoir autre chose que j'ai peut-être raté, non? Ah non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Fallait juste un petit peu insister. Et donc, voilà pour le petit alien. Trop, trop, trop mignon. Allez, focus, je compte sur toi. On va y arriver. Et hey, magnifique cet alien. Trop, trop, trop beau. Ah, il est vraiment super bien réussi. Moi, je l'adore. Normalement, ils sont trois, je crois, d'habitude. Parce que David adore Toy Story, lui a un grand fan, énorme fan. En fait, je crois que c'est le seul Disney qu'il connaisse, David, c'est vrai en plus. Hein. Il connaît que celui-là. Hop, allez, on va y arriver, le prochain booster. Ou pas, hein. Ou pas. Iii. Je suis en galère. Allez, on fait un autre booster, et puis bah, si j'arrive vraiment pas à ouvrir les autres, au pire, je prendrai des petits ciseaux. Hop. Ah, celui-là, j'ai l'impression qu'on ne l'a pas. Et oui, en effet, on ne l'a pas. Il s'agit du Capitaine Crochet. Super. Eh ben super, je suis très contente. Très contente. On complète. Pour l'instant, on n'a aucun double. C'est top du top. Je suis trop contente. Alors, est-ce que j'ai oublié des petits trucs? Non, je n'ai rien oublié. Donc, le Capitaine Crochet... Ah, il n'a pas sa tête. Il n'a pas de tête. Les gars, j'ai forcément oublié sa tête quelque part. Non. Ah, c'est bon, il est là. Il est là. Il s'était caché. Il est là. Ok, super. Donc, la tête qui veut repartir déjà. Le corps du capitaine. La petite tête du capitaine qui est vraiment vicieux. Ensuite, le chapeau énorme du capitaine. Très sympa. Super. Le petit... Alors, son... Ça, ah, super. J'adore les petits détails avec la main gauche qui est du coup... Ah, mais quand on lève... Ah, c'est dommage ça, par contre, quand on lève ici... Ah bah du coup ça enlève la toque du petit capitaine. Bon c'est pas très grave, hein, on s'en fout. Hop, ici, voilà. Son petit
Sabre, ici, on le met sur le socle et voilà, super, il est vraiment sympa. Il est super, super sympa ce petit capitaine au crochet. Très bien, très très bien. Il y a aussi Peter Pan dans la série. Super, super, je suis très contente, je suis très... À chaque fois, je crois qu'il y a genre... Ah, c'est bon, j'ai réussi. Ah, oh non. Tu as là-dedans. On l'a déjà. Bon, c'est pas grave. À chaque fois, il me semble qu'il y a deux personnages de chaque série. Donc, par exemple, Alice et le chat botté, le méchant indestructible et Flèche, Buzz, j'arrive vraiment pas celui-là. Flèche et le méchant, du coup, c'est ça. L'alien et Toy Story. Oh, on l'a pas celui-là. C'est Minnie. C'est Minnie, très sympa. Minnie et Mickey, Daisy et Donald, enfin, vous m'avez compris quoi. À chaque fois, il y en a deux, sauf Stitch, il y en a qu'un, et Maléfique, ou elle est toute seule. Voilà. Bon, je sais pas pourquoi, eux, ils ont été boycott, il n'y en avait qu'un seul. Alors, on va tout de suite monter la petite Minnie. Très sympa, j'espère que j'ai rien oublié. Donc, là, nous avons ses petites jambes. Nous mettons le... Ah, elle est sympa à monter. Franchement, j'adore cette collection. Ah non, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Hop. Allez, il faut que ça tienne, les gars. Il faut que ça tienne. Ah voilà, j'ai réussi. Ok, super. La tête de Minnie. Très mignon. Hop. Allez, Minnie, go. Ensuite, le petit nœud de Minnie. Attendez, j'ai l'impression qu'elle va se déshabiller toute seule. La petite tête de Minnie avec le petit nœud. Très sympa. Et le socle qui a disparu. Il est là. Hop. Très, très, très sympathique. J'aime beaucoup. I love this collection. Ça fait 10 fois que je vous le dis. Très sympa. Très, très sympa. Elle est trop mignonne, cette petite Minnie. Elle est trop, trop, trop chou. Super, 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 super. Plein de personnages différents. C'est génial. On continue comme ça. Pour l'instant, une seule double. Franchement, oula. Franchement, nickel. Alors, celui-là, j'ai l'impression qu'on l'a pas. Ta-na-na-na. Ah, ouais, non. Ah, c'est maléfique. C'est maléfique. Super. Oh là là, elle est trop, trop, trop bien, j'ai l'impression. Donc, on enlève tous les petits i. Non! En fait, j'essaye de les enlever à la main parce que ça gicle partout sinon. Et comme en plus j'ai un fond en verre, ça gicle partout. Voilà, ça gicle partout, vous avez compris. Donc, pour notre maléfique, c'est parti. On va mettre alors ça comme ceci. C'est sa petite robe. Ensuite, alors là on a des trucs des deux côtés. Alors voilà, là c'est un personnage un peu plus compliqué. Donc voilà, on a sa cape qui va se mettre comme ceci. Hop, le côté violet ou le côté... Ah, c'est le côté violet, d'accord, ok. Donc on met ça comme ça. Je trouve ça vachement sympa, les petites capes comme ça. Je trouve ça super cool. Donc voilà, pour la cape. Ensuite, une fois qu'on a mis la cape, on met les deux petits trucs qui sont collés, d'ailleurs. C'est fait exprès ou pas? Ah oui, c'est fait exprès. Ok, d'accord. Donc du coup, là aussi c'est violet. Donc on met ça comme ceci, ok. On met ça comme cela. Okay. Ensuite, on va mettre sa petite tête, sa grande tête, son chapeau, hein, voilà, son chapeau un peu chelou. Ensuite, là, on a le petit diamant, donc ça, c'est quoi? Ça, c'est le diamant qui va au bout de son sceptre, comme ceci. Regardez, hop, voilà. Je m'en sors très bien aujourd'hui, hein. Je suis très fière de moi, vous pouvez m'applaudir. Hop! Ok, non, 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 ça va pas, tu reviens, tu reviens. Moi, je voulais juste bouger sa main pour lui mettre son sceptre. Enfin, son sceptre, je sais pas, hein, son... Je sais pas. Très sympa, et donc, du coup, ça, on le remonte. Voilà, et là, c'est maléfique, magnifique, maléfique, magnifique, avec son socle, et là, on écoute. Là, on est parfaitement bon. Elle est très, 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 très belle, enfin... La figurine est magnifique en tout cas. Super, plein de détails, ils ont pensé à tout. Franchement, c'est magnifique. Ok, allez, c'est reparti pour le prochain booster. Hop, on y croit plus. On n'y croit plus, c'est l'alien. Ok, un autre booster, un autre booster. Il nous faut Buzz. Si on n'a pas Buzz, David va nous crier dessus. Hop, ah, Stitch, très heureuse. J'avais dit à David que je voulais l'avoir, le Stitch. Il avait l'air trop, trop, trop beau. Hop, donc est-ce que j'ai tout pris? Oui, j'ai l'air d'avoir tout pris.
Donc Stitch, assez simple, hein, juste petite tête, petit buste et jambes. Ok, Stitch basique, très sympa, très joli. Moi, j'aime beaucoup ce petit Stitch. Je ne sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre figurine préférée. Si vous avez déjà ouvert, pourquoi pas des figurines. Dites-moi tout ça, je veux savoir. Allez, encore quelques boosters, 5 ou 6, je dirais. Et nous avons... Ah, on l'a pas celui-là. C'est le génie? C'est le génie, je crois. Non. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est Alice. C'est Alice. Super. Ah, très bien. J'adore Alice aussi. J'adore Alice au Pays des Merveilles. C'est un dessin animé que je trouvais très chelou quand j'étais gamine. Je l'aimais pas trop. Et maintenant, j'aime beaucoup. Je trouve ça très sympa. Hop, le petit flyer. Et voilà. Là, je crois qu'on a... Ah non. Non, non. Il nous manque un petit truc. Non. Non, non. En fait, non. Ah, si, si, si. Non. Si, voilà. C'est ça. C'était tellement petit que je le sentais limite pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le corps d'Alice. Là, on va avoir sa petite jupe. Hop, comme ceci, très sympa. Ensuite, alors, à l'envers, à l'endroit, c'est comme ça. Par contre, c'est pas facile à mettre, je trouve, avec la petite jupe. Ça saute beaucoup. En fait, quand on bouge les jambes, ça décale. Ok, on y croit? On y croit moyen, hein? Je sais pas. C'est pas terrible, je trouve que ça tient pas bien. Il y a un petit couac. Il y a un petit couac quelque part. Ah, c'est. Ah, voilà. C'est sa main, en fait. Voilà, c'était sa main qui bloquait. Ok, ensuite, nous avons la petite tête qui est partie quelque part par ici. Super. Hop, j'y arrivais. Oui, je vais y arriver. Hop, sont ses cheveux. Magnifiques cheveux, d'ailleurs. Alice a de magnifiques cheveux. Le socle d'Alice. Et là, nous avons, du coup, je ne sais pas ce que ça représente. Ah, c'est peut-être sur la bouteille, tenez. Voilà, c'est mieux comme ça peut-être. Peut-être que j'espère que c'est ça, hein, parce que si c'est pas ça. Ah, c'est la potion! C'est la potion qui l'a fait devenir énorme. Et ensuite toute petite, je crois que c'est ça. Je me rappelle plus très bien. Hop, ça fait très longtemps que j'ai pas vu Alice au Pays des Merveilles. D'ailleurs, je l'ai en DVD toujours scellé, parce qu'on l'a pas vu avec David. David, ça le botte pas de le voir celui-là, je sais pas pourquoi. Voilà pour le Alice. Super sympa, magnifique. Ah, allez, ah, c'est sublime. Ces figurines sont géniales. Je suis totalement fan. Déjà, à la base, les Lego minifigures, j'adore ça. Hein, vous pouvez le voir, vu que j'en ouvre pas mal. Mais Disney, là, ils m'ont charmé. Ah, super! On a Flèche! Et on a vraiment très peu de doubles. Hein. On a trop, trop, trop de chance. Je suis trop contente. Super. Hop, donc. On a tout pris. Flèche. Génial. Avec son costume. Son costume, alors le sien, vu qu'on l'a vu il n'y a pas longtemps avec David, le sien il a été fait exprès pour résister à toutes les frictions, vous voyez, pour pas prendre feu parce qu'il court tellement vite. Notre flèche, très sympa. J'hésitais au début avec le père, parce que je trouve qu'il ressemble beaucoup au père, mais je trouve qu'il est petit pour ressembler au père. Alors après, peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que c'est le père, hein. Qui sait, hein. C'est peut-être le père, hein. Je dis peut-être une bêtise, parce que on dirait un peu la coupe du père. Non, c'est la coupe de. Je sais pas. Je sais pas. Ils sont tous les deux blonds, donc voilà. Après, je sais pas. Moi, je dirais plus flèche. Je sais pas pourquoi, parce que je sais pas. Il est petit. La figurine est petite. Il respecte un petit peu les tailles quand même chez Lego. Donc du coup, je me dis, si c'était le père, ils auraient fait un truc un petit peu plus mastoc. Après, je sais pas. Je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est le père ou flèche. Après, là, comme il y a le truc de super-héros, je me dis que ça peut-être être le père. Je sais pas. Voilà, donc très très sympa, super, j'aime beaucoup, on ne l'avait pas, donc c'est perfecto. Allez, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5 boosters avec celui que je vous ouvre tout de suite. Et nous avons, non, encore l'alien, l'alien il nous kiffe, hein. L'alien nous kiffe, on l'aura eu plusieurs fois. Allez, prochain booster, ah, j'ai l'impression qu'on l'a pas celui-là. Ah, on l'a pas, on l'a pas, je crois qu'on l'a pas. Ah, c'est Donald, ok, super. Super, on aura eu Daisy et Donald. On n'aura pas eu Mickey, mais on aura eu Minnie, donc ça compense. Je préfère Minnie à Mickey de toute façon. Hein. Hop, donc je prends tous les petits trucs. Je pense qu'on a tout pris. Super, alors petit Donald, on va te monter tout de suite. Hop, la tête. Il a une tête mais tellement bien faite sur cette figurine, je suis fan. Ah, j'ai oublié de mettre son petit cucu. Hop, je mets ça comme ça. Je pense que c'est comme ça, ouais, c'est comme ça. Hop, Donald. Perfecto, Donald. Ah, son petit. Bah oui, attendez. Attendez, on va pas oublier son petit bonnet à Donald, qui est juste trop, trop, trop mignon. Ah, c'est sur le côté un petit peu. Voilà, comme ça, c'est parfait. Et ici, hop. Et voilà pour Donald. Et il est super bien. Je trouve qu'il rend vraiment super bien ce Donald.
Je suis totalement fan. Totalement fan. On a le petit couple Donald et Daisy. C'est perfecto. Ok, allez, 3 boosters. Hop. Bon, ben, on s'en sera vraiment bien sorti. On aura presque toute la collection. On n'a pas eu Buzz, par contre. Ah, maléfique. Maléfique. Bon, c'est pas grave. Encore 2 boosters. Celui-là est big, épais. Je sais pas ce que c'est, mais il est vraiment très épais. What the fuck? Ah bah tu m'étonnes pourquoi il était épais. Il s'agit, je crois, de Ursula. Ok, super. Oh, j'ai cru que c'était Buzz au début. Bon, c'est pas grave. C'est pas... Franchement, je suis contente parce qu'on l'a pas. Mais je vous avoue qu'on aurait eu Buzz. Ça m'aurait fait très, très, très plaisir pour David. Mais du coup, il va en racheter. Voilà. Donc du coup, on va encore en ouvrir pour avoir le Buzz. Hein, parce qu'il faut le Buzz. C'est obligatoire. Obligatoire. Hop, il aime tellement ce personnage. Donc, voici notre Ursula. Est-ce que je mets bien sa tête? Oui, c'est bon. Le petit sceptre. Juste comme ça. Super. Hop. Et voilà pour Ursula. En tout cas, la figurine est vraiment très jolie. Très, très, très jolie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais alors là, elle est super, super belle. Magnifique. J'ai peut-être mis le truc à l'envers. Ouais, c'est mieux comme ça. Voilà, super. Oh là là, elle est magnifique. Allez, il nous reste un booster, celui que j'ai pas réussi à ouvrir depuis tout à l'heure. On va essayer de l'ouvrir. Peut-être de l'autre côté. Attendez. Ah, voilà, j'ai réussi. Super. Alors, de quoi s'agit-il? Je crois que c'est les indestructibles. Non? Ah, c'est Mickey! Ouais! Ben, on l'avait pas. Super. On finit avec Mickey Mouse. Super. Ah, je suis contente, au début je vois le truc rouge, je me dis, ah, c'est le bas de l'indestructible. Eh bien non, il s'agit de Mickey Mouse. Super, très 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 contente. Et voilà, le petit Mickey, on finit en beauté avec le personnage le plus emblématique de Disney, comme Pikachu pour Pokémon, c'est pareil. Voilà, on finit avec Mickey qui va du coup rejoindre sa petite Minnie. Très sympa, très très sympa, totalement fan. Bravo, bravo, bravo Lego, bravo Disney, cette collection est magnifique. Je suis totalement fan, voilà. Faites-en plus souvent, je suis preneuse s'il y a une collection Disney 2. Ils avaient fait, hein, déjà pour Simpson, ils avaient fait 2 collections. Franchement, faites la même chose pour Disney, faites-en une deuxième. Je serais trop 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 contente personnellement. Donc j'essaye de vous mettre toutes les petites figurines dans le fond pour que vous puissiez me dire dès maintenant dans les commentaires quelle est votre figurine préférée parmi toutes celles que je vous présente. Hop, oulala, j'ai tout fait tomber, j'ai fait un strike, hop. Et voilà pour les figurines. Donc j'ai pas monté, hein, celle que j'avais en double, bien entendu. Aladdin, tu te casses la gueule à la fin, c'est pas terrible ça, hein. Ok, hop, je remets Aladdin comme il se doit. Voilà, super. Donc voilà toutes les figurines qui sont présentes dans la série que j'ai eue dans cette ouverture. J'espère que cette ouverture de Lego Minifigure spécial Disney vous aura plu. Moi, j'ai adoré. En plus, on a eu que 3-4 doubles. Il nous manque, en gros, Buzz, le chat de Alice au Pays des Merveilles, Peter Pan et le génie d'Aladin. Donc voilà, c'est vraiment pas beaucoup. Au pire, je les achèterai si ça s'achète. Je crois que ça s'achète, hein, sur eBay. Il y en a quelques-uns, j'avais vu. Donc voilà, dites-moi en commentaire votre figurine préférée. N'oubliez pas de liker la vidéo à fond si vous adorez cette série comme moi, si vous voulez d'autres vidéos surprises. Sur ce, moi, je vous laisse ici. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt!